Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, direction la deuxième division française, direction donc la Ligue 2 pour un intéressant rendez-vous. Et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Une position assez offensive avec son 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et un œil sur la composition de cette formation. Le 5-3-2 ou le 3-5-2, c'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. Allez, je vous souhaite un excellent match. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Très bonne progression, balle au pied. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ben Raoult. Ça joue, avantage. Le ballon est rendu. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Ben Raoult. Il dépose l'adversaire là. Le ballon, là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Très bonne intervention, sans faute. Ça sort en touche. Bas. L'action se construit dans le camp adverse. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ça sort, c'est corner. Un corner qui est bien ajusté. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Et ça n'ira pas plus loin. Aïe, la petite faute technique. Et le ballon sort. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé.
Bamba. Koné. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Bamba. En bonne position. On est bien joué, la bonne intervention. Sangaré. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Bonne intervention pour éloigner le danger. Et voilà, c'est donc un corner. Le corner. Ah, difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but. C'est un manque de réussite. Ben Raou. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Pour Vargas. À l'occasion, peut-être ici. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ben Raou. Et c'est signalé, position de hors-jeu. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Touche à venir. Gessoum. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et pourquoi pas ici. Et le ballon est renvoyé, attention. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. Allez, voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. Boekan. Oui, bonne intervention. Ben Raou. Koné. Une attaque et le danger se rapproche. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Vélé. Sangaré. Elle la passe en profondeur, c'est dangereux. La frappe part bien. Goal, 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 goal. Et
Payet, ce match est débloqué et ça promet pour la suite. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise. Regardez. Et puis finalement, le duel tourne à son avantage. But. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Oui, excellent ballon, bien donné. Il peut tenter sa chance. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ses deux buts d'avance. On revoit bien cette frappe, ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Pour Vargas. Benraou. Allez, ballon gagné sur ce bon duel. Koné. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Et le tir, attention. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Et le ballon change de camp. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le... Ah, le ballon traîne, attention! Ce ballon est intercepté. Allez, devant le but, il faut frapper. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Guessoum. Fomba. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Oui, la frappe, mais non, excellente situation et c'est raté. D'autant qu'avec deux buts de retard, il faut profiter de chaque occasion. Voilà, changement donc. Diédiou. Et la passe est interceptée. Combat.
tir contré sans difficulté. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Et l'intervention du gardien. Et ce corner est joué court. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et le ballon est finalement intercepté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Mesdames et messieurs, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Nous vous retrouvons les 20 dernières minutes de la rencontre. Attention à cette passe. Et le tir part bien. Et le ballon fracasse la barre transversale avant de sortir. Ça s'est joué à 2 petits centimètres. Ça s'est joué à pas grand chose. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Pour Vargas. Fomba. Koné. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Boekan. Vélé. Le danger dans la profondeur. Ça ne trouve pas le cadre. Mais de cette position, c'est vraiment difficile. Angle aussi fermé. La frappe, ce n'était peut-être pas la meilleure décision. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et il revient fixé à l'intérieur. Oh oui, la frappe. Oh là là, quelle occasion en or. Manque total de lucidité, de sérénité dans les dernières minutes. Ça fait toujours 2 buts d'écart. Ah, dommage, ballon perdu. L'attaque se poursuit, balle au pied. Le centre vers la surface. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Pas de jaune sur cette action, mais une simple faute signalée. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui les concerne, parce que franchement, le jaune n'aurait pas été de trop. Et un changement donc. Ballon vers le premier poteau. Et c'est finalement dégagé. Et peut-être le but pour revenir. Oh là 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 !
le but tardif, mais il permet d'y croire. C'est pas fini. Tic, tic, tic. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Le match reprend, le score est maintenant de 2-1. Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Pour le Can. Ouais, une bonne charge. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Le ballon change de camp. Combat. C'est fini, l'arbitre met maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui reçoit s'est imposée. Le score ne change rien, c'est une victoire et la règle est simple, une victoire ça vaut 3 points.